Bonjour à tous, je suis Arnaud Frédéric, directeur commercial du château Grue-la-Rose, second cru classé en 1855, situé sur la magnifique appellation de Saint-Julien. La propriété est reconnue pour sa capacité à produire de façon récurrente des vins capables de défier le temps grâce à des cabernets sauvignons alliant puissance et finesse. Le vignoble s'étend sur 82 hectares de vignes d'un seul tenant, ce qui représente un atout majeur en termes de qualité et d'homogénéité de terroir. Ces conditions idéales permettent au château de cultiver plus de 65% de son vignoble parmi les sols de type terrasse 4 les plus qualitatifs de l'appellation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de déguster le millésime 2021 en primeur. Malgré des conditions météorologiques complexes, une écoute active de notre vignoble, couplée à une grande flexibilité, nous ont permis d'amener le roi des cépages à maturité. La part de Cabernet Sauvignon n'a jamais été aussi importante dans l'assemblage et traduit une tendance de fond des futurs assemblages de la propriété, due à l'important travail de restructuration du vignoble sur les 20 dernières années. Amener les Cabernet Sauvignon à maturité cette année fut un facteur déterminant dans la réussite de ce millésime, avec un potentiel anthocyanique et tannique, des baies importants malgré leur taille. Ainsi, ce 2021 est dominé par la pureté d'un fruit mûr, avec une structure tannique dense et cédreuse, couplée à beaucoup d'élégance, avec des notes de cassis, de réglisse, à la finale saline et sapide d'une caudalie remarquable. Ce millésime s'inscrit ainsi parmi nos plus belles réussites et vient confirmer le renouveau qualitatif de nos vins sur ces 5 dernières années entre puissance, fraîcheur, pureté du fruit et précision. Je vous souhaite une bonne dégustation.